Oui, on sait maintenant que certaines souches de papillomavirus ou HPV peuvent être responsables de certains cancers de l'oropharynx ou cancer de l'amygdale. On pense que 40% des cancers de l'amygdale sont liés à ce virus, papillomavirus. C'est la raison pour laquelle la vaccination contre l'HPV, qui était jusqu'à présent réservée aux jeunes filles pour la prévention du cancer du col de l'utérus, a été maintenant élargie aux garçons de 11 à 14 ans depuis 2019. Si vous présentez l'un de ces symptômes, le 21 septembre 2022 de 9h à 18h, vous pourrez consulter gratuitement et sans rendez-vous un spécialiste à l'Institut Sainte-Catherine. Si votre prise en charge le nécessite, une équipe d'experts en oncologie tête et cou sera à votre disposition.